Abonne-toi et active la cloche. Pour regarder mes vidéos cuisine, il nous faut la ciboulette, logiquement. Coucou! Eh bien, on va faire un truc. Je sais pas si ça va marcher, hein. J'ai pas pris le bon truc. Je vais faire une compote, il me reste deux pommes un peu pourries. Mes trois abricots que j'ai mangés, j'en avais acheté cinq, mais ils n'étaient pas bons, hein, donc je les ai gardés, je vais les cuire. Je vais mettre ceci avec, et j'adore mélanger avec de la cerise comme ceci, en morceaux. Avec du miel. Vous avez vu comment il neige, c'est magnifique. Hein. Les gens sont, les jeunes sont en train de jouer. C'est super. Alors. Je pluche. En fait, j'adore faire ça. Et vous allez voir, je vais faire de plus en plus des recettes de cuisine parce que j'ai commandé une box. En fait, il y avait une promo, je vous en parlerai. Et du coup, je vais avoir des recettes à faire. Voilà. Ouais, moi, la voyage qui a bien joué. Alors, ne me dites pas combien d'épaisseur je fais les pommes, parce que ça, c'est la cata. Voilà. Là, ben là, ça va. Je coupe. Vous ne voyez rien, hein. En fait, il faudrait que je me mette là. Si je me mets là, vous voyez. Ben ouais. Voilà. Je vais couper les abricots. Je n'ai pas envie de les perdre, hein, mince. Hein, je les ai payés cher, en plus. C'est vrai que c'est pas la saison et je l'ai acheté parce que c'était les promos à Auchan. Il n'est même pas mangeable celui-là, je crois qu'il est gelé. Il a dû geler. Pas chez moi en tout cas. Hein. Voilà, mais on va prendre un peu. Voilà. Et je sais que c'est pas la saison. Hop. Mais c'est vrai que vaut mieux acheter les fruits et les légumes de saison plutôt que comme ceci. Donc là, je vais prendre les pommes au milieu, là. Voilà. Et voilà. C'est juste parce que je ne veux pas les perdre, en fait. Hein. Voilà. Mais je crois que j'ai déjà fait la recette. Je vous ai déjà montré, je crois. Je ne suis pas sûre de l'avoir mise. Oh là là, c'est magnifique dehors. Franchement, c'est magnifique. En plus, il y a un parc, là, un petit stade où les enfants, normalement, bah, ils jouent au foot. Et bien là, je vais vous montrer après. Ils jouent, ils font les anges. Ils font les anges dans la neige. Ils font les boules de neige. Les bagarres de boules de neige. Franchement, ça fait plaisir hein, de les voir. Voilà. Hop. Hop. En fait, j'ai un truc normalement pour couper les pommes en quartier. Je le fais tous les jours. Mais là, j'ai pas été chercher des pommes depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai pas mis le micro. Voilà. Moi, j'aime pas quand c'est... Donc, ce que je vais faire. Maintenant, je vais faire ceci. Je vais prendre ça. C'est des cerises morceaux. Moi, je les mange que comme ça. Cuites, recuites. Voilà. Voilà. C'est sûr que c'est pas une compote de saison. Hein. Voilà. Et puis j'en ai un de pêche. Je vais le mettre dedans. Ça, c'est super bon à manger. Hein. Je ne vous cache pas. Hein. Voilà. Nature. Peinture. Ensuite. Voilà. La pêche. De la pêche. Et voilà. Et voilà ma petite compotée. Alors, on va lui donner un peu d'acidité quand même, parce qu'elle en a besoin. Donc, je prends orange ou citron. Citron. Voilà. Alors, j'ai les mains très propres, hein. Moi, j'ai une drôle de manie de faire... mais ça fait du bien en même temps. Voilà, je mets le citron. Ça fait du bien en même temps pour les ongles.
Moi, j'enfonce dedans. Mais sinon, vous faites comme ça. Hein. C'est pas. Voilà. Ensuite, une petite cuillère, une fourchette, peu importe. Voilà. Alors, il y a du sucre, de la, mais il y a quand même beaucoup d'acidité. Enfin, l'acidité, enfin, il y a... c'est très peu sucré. Donc, on va prendre du miel. Voilà, je ne vais pas en mettre beaucoup. Hein. Voilà, juste ça. Hop, c'est du miel de fleurs. Voilà. Je pourrais très bien manger cru puisque c'est déjà cuit hein, la compote. Voilà. Et moi, je vais mettre ça à cuire. Je vais mettre ça à cuire. Vous savez, vous pourriez même faire une pâte brisée ou pâte feuilletée, puis vous mettez ça dedans. Mais peut-être que ça modifierait trop parce que ça fait plus compote. Bon, ben, je le mets au micro-ondes. Voilà. Alors là, ça va sentir bon, hein, je vous le dis. Hein. Regardez. Regardez comme c'est beau. Voilà, je le mets là. Et je vais le mettre 7 minutes. Voili voilou. Ben, on se retrouve tout à l'heure. Je vais me régaler. Là, je vais regarder l'émission Tout compte fait. C'est, apparemment, c'est sur la consommation, remise moins 30%. Je vais regarder ça. Sur ce, Ivy est ici, bien sage, avec ses petites Castis Faction. Parce que j'ai voulu l'adresser tout à l'heure, mais... Vous savez, j'ai voulu la faire asseoir pour lui donner des croquettes. Elle s'en fout, donc j'insiste pas. Il neige énormément. Franchement, c'est super beau, super beau. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas. Et là, on va attendre bien sagement qu'elle cuise. On se retrouve dans 7 minutes. Bon, eh bien, je vais sortir la compote. Mmh, mon Dieu. Elle mousse un peu. Oh là là, elle a l'air bonne, hein. Alors, je prends des petits récipients comme ceci, avec des petits couvercles. Et moi après, mais souvent, hein, ça ne dure pas la semaine. Hein. Des fois, ça ne dure même pas deux jours, parce que c'est tellement bon. Alors, le problème, c'est que j'ai pas assez de pommes. Mais bon, on fait avec. Hein. Voilà. Hop. Ben là, j'en ai une. J'aurais dû en acheter des petites, beaucoup plus. Voilà. J'ai pas gaspillé. Ouais, par contre, j'en ai pas assez, mais bon. J'ai pas gaspillé mes pommes. Voilà. J'attends que ça refroidisse et après, je fais comme ceci. Et voilà. Mais je vais attendre que ça refroidisse. Voilà. Voilà. Tout simplement, ma petite compote pour ne pas perdre la pomme. Moi, j'ai des goûts très, comment dire... originaux. Quel est votre parfum préféré au niveau des glaces? Quel est votre parfum préféré? Moi, je vous le dis tout de suite, c'est citron cassis passion. Vous voyez, et mangue. Donc, c'est des goûts vraiment exotiques. Mais en général, la plupart du temps, c'est vanille, fraîche, chocolat. Donc voilà, dites-moi, quel est votre parfum préféré? Sur ce, voilà. Ma petite compote. Les pommes sont cuites. Franchement, c'est pas les carottes sont cuites, c'est les pommes sont cuites. Franchement, ça a l'air trop bon. Voilà, sur ce, si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez que j'en refasse d'autres, parce que je peux en faire plein d'autres. Ivy n'a pas changé. Elle est toujours à côté de son sac bleu, mais en fait, elle attend une chose. Et moi, je voulais la faire asseoir. Hey. Tiens, mange. Mange.
Regardez. Allez. Voilà. Maman, elle en donne encore un? Hein? Maman, c'était une bonne compote. Mais t'as joué avec un œuf. Oh, j'ai de la chance qu'il soit pas cassé. On a de la chance qu'il soit pas cassé, hein. Ah! Non, c'est un jeu, en fait. J'avais acheté ça pour faire le dinosaure, et en fait, je me suis aperçue que c'était un jeu. Et ça, je le trouve partout. Encore un bébé? Pas plus de trois. Hein. J'en donne très peu. Hein. Voilà. Elle est douée, hein. Voilà. Pour ce, je vous dis I love you, je les bébés, c'est Kélo, petit amour. Bye bye. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez, commentez. Et dites-moi si vous voulez des petites recettes comme ça. Parce que maintenant que je vous l'avais dit, hein, je vous avais prévenu hein, que dès l'instant où j'ai ma cuisine, que ben, j'ai ce que je veux dans ma cuisine, je peux faire la cuisine, je peux faire des recettes. Donc si vous voulez, je suis à même de vous faire des recettes. Mais alors attention, hein, c'est pas des recettes, c'est des recettes qui sont uniquement dans ma tête. C'est rien marqué, mais comme je fais au pif. J'ai pas du tout toutes mes recettes, j'ai jamais pris de livre de recettes. J'en ai plein de livres de recettes parce que c'est ma passion. Mais je regarde pas, je fais vraiment au pif comme je sens. Donc, surtout, si vous voulez faire mes recettes avec grand plaisir, regardez bien, même deux fois s'il faut la vidéo, de façon à ce que vous puissiez bien la faire. Parce que des fois, je rajoute des trucs. Là, j'aurais pas rajouté parce que. Je voulais pas perdre les pommes. Mais après, je vais faire original. Bon, mais je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Ivy, tu connais, je vous embrasse. Tu connais pas, hein, je vous embrasse. Hein. Moi non plus. Hein. Alors, attendez. Deux petites secondes. Non, viens là. Tu es une emmerdeuse, hein. Mais tu es une grave emmerdeuse, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui là? C'est qui là? Voilà, vous avez déjà vu un chat. Le problème, c'est qu'elle a été prise dans la rue. Elle vivait dans des taudis, dans un garage désaffecté. Il y a une dame qui l'a recueillie et elle m'a dit, si on ne la prend pas, elle meurt. Et ils étaient trois. Et donc, mademoiselle, elle est pas du tout câline, elle est pas du tout câline et elle ne le sera jamais. Voilà, elle est câline quand elle a envie, alors elle se met contre moi. Et puis dès que je la caresse, au bout de deux minutes, elle prend la poudre d'escampette. Allez, bye, I love you, je les bédis, je te quiero, ti amo. Je vous aime. Ciao. Abonne-toi et active la cloche.